1990, la société a intégré le groupe suisse agroalimentaire Héro. Il n'y a pas de problème. Et une orange, la matière première des pommes, le local, et l'orange de d'accéder au niveau des grandes régions agricoles.
Fallait-il démissionner? Nous avons choisi de retrousser nos manches. Nous avons rassemblé une équipe d'hommes et de femmes prêtes à se battre et à faire triompher une idée sainte, transformer des fruits invendables en un produit vendable et exportable. Monsieur le ministre, messieurs les parlementaires, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu à l'invitation du président Biot. Je suis heureux d'être à la place, ce n'est pas la première fois, de saluer l'industrie agroalimentaire française et d'assurer un investissement créateur d'emplois. Vous avez apporté, messieurs les responsables, dirigeants d'entreprise, partenaires sociaux, élus locaux et nationaux, de bonnes réponses à un problème qui vous était posé. Vous êtes associé à un groupe agroalimentaire suisse. J'ai eu l'occasion de m'occuper de cet investissement qui était encore soumis à la direction du Trésor parce que la Suisse ne faisait pas et ne fait pas encore partie de la communauté économique européenne. Mais la Suisse, c'est un pays dont nul ne conteste les succès et qui sait, merci, reconnaître les nôtres. La Suisse veut, je le note en passant, entrer dans la communauté européenne aux conditions du traité de Maastricht. C'est un signe de confiance qui valide aussi le choix des Français du 20 septembre. Mesdames et messieurs, cette entreprise constitue un modèle pour le développement rural. Les créations d'emplois nous ont été soulignées, les consolidations des liens avec l'agriculture de la région, la diversification des produits et de leur présentation, je viens de le voir, vous le verrez après moi, et des succès à l'exportation que n'oublie pas de saluer l'ancien ministre des Finances, supplémentaire et à créer des activités de diversification. Les pouvoirs publics nationaux et locaux y ont pris leur part avec le plan développement d'un pub, un jus en Alsace, plan conduit depuis 1988 dans le cadre du 10e. Ça sera bien, à peu près.